La sortie d'un internaute portant sur des actes de corruption à l'ambassade de Belgique en Côte d'Ivoire ont fait réagir l'ambassadeur Michael Wimmer, représentant diplomatique du Royaume belge à Abidjan. Interpellation de l'ambassadeur Michael Wimmer sur Twitter. Un internaute a ouvertement interpellé le représentant diplomatique sur des actes de corruption qui séviraient à l'ambassade de Belgique. Il dénonce en effet un système frauduleux et de racket en matière de légalisation de documents au sein de la représentation diplomatique. Êtes-vous conscient du système frauduleux et de racket en matière de légalisation de documents à VFS Abidjan? Le système de rendez-vous en ligne a été bloqué expressément pour revendre les jours et places à des prix fous. Dans quel monde vivons-nous? A-t-il dénoncé sur Twitter. Lire aussi protection de l'environnement, voici la proposition de l'ambassadeur de Belgique en Côte d'Ivoire. La réaction de l'ambassadeur Michael Wimmer ne s'est pas fait attendre suite à ces accusations jugées graves. Très actif sur les réseaux sociaux, le représentant diplomatique du Royaume de Belgique en Côte d'Ivoire a invité l'internaute à apporter les preuves de ces accusations. Je suis surpris, avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Avez-vous des preuves de ce que vous avancez? Si oui, je vous invite à en informer l'ambassade, a réagi le diplomate belge qui se dit également très surpris du message de l'internaute. Arrivé en Côte d'Ivoire, le 16 août 2019, Michael Wimmer a présenté ses lettres de créance en octobre 2019, en qualité d'ambassadeur représentant le Royaume de la Belgique auprès de l'État ivoirien. Le diplomate belge ne cesse d'affirmer son mieux-être sur les rives de la lagune Ébrier. La Côte d'Ivoire et la Belgique, faut-il le rappeler, entretiennent des relations fusionnelles depuis plusieurs décennies. En 2021, les deux pays ont célébré 60 années de coopération. L'ambassadeur Wimmer a, à cette occasion, évoqué la célébration d'une « histoire commune » et a rendu hommage à toutes les personnalités qui se sont particulièrement illustrées dans ces relations.